Bonjour, je m'appelle Rita Ravier, danseuse, comédienne, chorégraphe et voix off. Je suis l'une des deux interprètes de la pièce intitulée Les Revenants de l'impossible amour, écrite par Faubert Bolivar et mise en scène par Jean et Hans-Marie Louise de la compagnie La Timélée. Alors, en tant que comédienne, cette pièce est un véritable défi, comme je crois à peu près toutes les pièces. À plusieurs niveaux, premièrement parce qu'il s'agit d'un texte fort, puissamment écrit et qui nous parle de l'errance et la déchéance de deux êtres malmenés par un amour impossible. Donc évidemment, qui entraîne des résonances, des résurgences dans nos propres vies. Un défi parce qu'il s'agit d'une pièce qui a été primée. Donc c'est une vraie responsabilité, et parce que l'univers de cette pièce se déroule dans un cimetière. Et donc on peut se demander comment, dans un tel univers, la vie peut tout de même subsister. Et qu'est-ce qu'elle a à dire, cette vie? C'est ça, ma vie. Ce que tu vois là, c'est toute ma vie. Alors, comme je disais, cette pièce, c'est un défi. Aussi parce que c'est une pièce qui traite dans trois dimensions ce texte. Les Revenants d'un impossible amour, nous avons évidemment le plateau avec les deux comédiens, nous avons aussi l'univers de la vidéo et nous avons l'univers musical. Un univers créé par deux excellents musiciens, Hassan Frendry et Daniel Dantin, et qui, tout le long de cette pièce, vont incarner les guédés musiciens, ceux qui vont implanter, créer l'atmosphère de ce cimetière. Une atmosphère entre joie, douleur, déchirement, amusement, mais un amusement douloureux. Et donc, c'est une pièce qui, à tous ses niveaux, incarne ce que nous sommes profondément en tant que Caraïbiens.